Bonjour tout le monde. Alors, parmi les thèmes qui sont encore perçus par quelques-uns d'entre vous, quelques élèves bien sûr, donc je disais qu'il y a des thèmes qui ne sont pas vraiment très bien compris, c'est-à-dire ils sont perçus encore comme un non acquis. Parmi ces thèmes, vous m'avez parlé de l'évolution du sida. Donc vous me dites, madame, on n'a pas très bien compris. Au fait, vous allez voir, et je vous le dis tout de suite, qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre et à retenir. Et bien sûr, moi, je vous ai habitué à comprendre tout, hein? Donc, comprendre quoi? Comprendre l'évolution du sida. On va citer ça. On va le reprendre ensemble. Vous m'avez parlé aussi de la multiplication des virus, que je vais reprendre aussi avec vous, et le facteur rhésus. Un bon nombre d'entre vous n'ont pas bien saisi ce que c'est que le facteur rhésus. Alors, ces thèmes-là, je vais en parler plus tard. Je les ai énumérés comme ça. Je les ai, donc j'ai pris note de votre questionnement et je vous promets de répondre à tout ça, petit à petit. Donc, je vous promets une reprise de ces thèmes plus tard. Alors, mais aujourd'hui, mes élèves, mes chers élèves, mieux encore, aujourd'hui, je vais corriger avec vous les différents exercices de soutien que vous avez reçus. Alors, comme j'ai appris qu'il y a eu pas mal de questions concernant ces exercices, je me permets donc de les corriger et en même temps de vous initier aux exos, aux exercices du brevet et de vous faire familiariser avec tous les types d'exercices. Et donc, je vais commencer. Alors, les exercices de soutien que vous avez reçus, ce sont des exercices, vous avez bien vu, de restitution de connaissances. Et là, vous devez vous familiariser avec ce mot. Ça veut dire tout simplement les connaissances, étaler vos connaissances. C'est-à-dire qu'on va vous poser un genre de question où il faut, si vous voulez, réciter, hein? Pourquoi pas? Mais vous ne récitez pas, parce que quand vous avez compris, dès qu'on comprend, on peut formuler les phrases qu'on veut, à notre aise, à notre guise. Donc je vous fais confiance. Donc, vous avez des questions sur la restitution des connaissances, mes élèves, et vous avez un autre type de questions qui sont les raisonnements scientifiques. Au fait, le raisonnement scientifique, ce sont des exercices d'analyse, d'observation, alors, on peut parler aussi de définition. Non, les définitions, c'est la restitution des connaissances. Mais tout ce qui est, je reprends un petit peu, tout ce qui est raisonnement scientifique, c'est des descriptions, des analyses, des études de courbes. D'accord? Et on verra ça au deuxième donc plan, c'est-à-dire quand on aura affaire au raisonnement scientifique. Pour le moment, vous allez prendre le temps de mettre sous vos yeux les exercices de soutien que j'ai envoyés. D'accord? Donc, ils ont été diffusés et j'aimerais que tout le monde ait ces exercices-là. Alors, vous prendrez votre temps pour mettre les exercices de soutien devant vous. Alors, ces exercices, j'ai bien voulu que ce soit des exercices type classique parce que vous devez savoir, mes élèves, que quand vous répondez à ces questions-là, c'est que n'importe quelle autre question concernant la même, je veux dire le même thème, n'importe quelle question donc sera comprise et vous saurez répondre à n'importe quelle question, si, je vous le promets, si vous répondez à ces questions-là. Ceci étant dit, je ne vais pas me confiner et le mot confinement revient encore. Je ne vais pas, concernant cette restitution des connaissances ou tout ce qui est raisonnement scientifique, on ne va pas rester juste
à ces exercices-là. On va y aller à d'autres exercices. Je vous promets, je vais vous donner tous les types d'exercices. Comme ça, vous allez être très bien préparé à vos brevets. Même s'il n'y a pas brevet, c'est comme si on passe le brevet, hein? OK? Alors, j'espère que vous avez vos feuilles devant vos yeux. On va y aller à la restitution des connaissances. Alors, toujours au brevet, vous avez la restitution des connaissances sur 8 points. D'accord? C'est toujours comme ça. Alors, si je peux un petit peu expliquer en arabe, il n'y a pas de mal, comme d'habitude. Sirdad al-ma'arif. Lihiya al-ma'arif. Ay kul ma yata'allaq بالمفهوم ديال الذاكرة وديال الكلمات والتفسير ديالها وكذلك الكلمات اللي هي كنسميوها كلمات مفتاح لي موكلي اللي كيخص التلميذ يكون عارف كيفاش يعطي تعاريف ديالها هذه هي لا ريستيتوسيون دي كونيسونس داكور حتى قولوا بالدارجه الحفاظه حنا ما تنحفظوش شي الحمد لله تنفهموا نديروا الجمل ديالنا من نفسنا لاننا قادرين نديروا هاد الجمل هاد اللي كنسميو حنايا استرداد المعارف كيكون دائما على 8 نقط دونك ريستيتوسيون دي كونيسونس 8 بوين لي زيكسيرسيس دو بروفي توجور اي سا سباس ان 1 اور هان جو فو سافوار جو فو رابيل كو عندكم ساعه واحده ديال الامتحان دونك ان 1 اور جو دو دونك ريستيتوي مي كونيسونس اي جو دو ريزوني سيانتيفيكمون افيك تو سكي اي اوسي Quand je parle de raisonnement scientifique, je parle aussi de tout ce qui est graphe, analyse de courbe. D'accord? Je vais parler aussi de tout ce qui est dissertation. C'est-à-dire que les quatre l'expression écrite, l'expression graphique. Donc, raisonnement scientifique, expression écrite, expression graphique, description et conclusion, analyse d'un tableau, tout ça, c'est le raisonnement scientifique et vous l'avez ce raisonnement scientifique. Vous avez même une curiosité scientifique qui me fait honneur, moi, et vous fait honneur aussi. Et je trouve que c'est une gloire. D'accord? Et je vous connais bien, mes élèves. Donc, ce raisonnement scientifique, il est toujours sur 12 points. Donc, au fait, vous avez deux questions. Une question sur la restitution des connaissances, qui vaut 8 points, avec des tableaux, etc., ce que vous voyez devant vous. Et vous avez une question sur 12 points sur le raisonnement scientifique. D'accord? On va y aller petit à petit, doucement. Et vous allez voir... que ce n'est pas difficile du tout. Alors, je vous conseille mes élèves, parce que là, je suis en train de vous initier comment passer votre examen. Comment répondre aux questions. Alors, première question. Et c'est une question sur la restitution de connaissances, c'est-à-dire Sirdad al-Ma'arif. Alors, la première question, c'est trouver le mot ou la définition qui correspond à quoi? Donc, qui correspond à ce qui est sur votre tableau. Et le tableau, vous avez les définitions d'une part, et vous avez les mots correspondants. Donc, vous avez toutes les définitions, et vous donnez le mot. D'accord? Ça peut être le contraire. Je vous donne un mot, et vous me donnez la définition. Ça peut se faire. Quand je vous donne les définitions et que c'est à vous de me donner le nom, le mot, c'est plus facile. Je ne vous le cache pas, c'est plus facile. Quand je vous dis, mes élèves, vous êtes avec moi, quand je parle, mes élèves, de fibres, des fibres transmettant l'influx nerveux de l'organe vers le centre sensitif. Vous savez, ces exercices-là vont me pousser à vous faire une petite révision sur le système nerveux. Parce que la première question, c'est sur le système nerveux, même la deuxième. Petit 1 et petit 2. J'ai tenu à vous rafraîchir la mémoire et à vous
Donc, rappeler quelques notions sur le système nerveux. Alors, quand je dis des fibres qui transmettent l'influx nerveux de l'organe vers le centre, vous savez, mes élèves, que quand ça va vers le centre, c'est un influx nerveux sensitif. Et c'est un influx nerveux qui centripète vers le centre. Quelles sont les fibres qui vont transmettre cet influx nerveux qui est sensitif? Eh bien, tout simplement, le mot correspondant, c'est fibres sensitives. Voilà la première réponse. Et ça, c'est l'influx nerveux sensitif, encore une fois, qui est centripète, c'est-à-dire vers le centre. Alors, je vais parler un peu en arabe. Mais quand je parle, la souya la hissia, un influx nerveux sensitif, elle s'appelle عن سيالة مركزية تتجه إلى المركز. وحنا كنعرفوا بحال دابا في الرؤية كتنشئ السيالة فين؟ ها؟ كتنشئ في الشبكية. وشنية الشبكية؟ مستقبل حسي. Alors je reprends en français. L'influx nerveux sensitif naît toujours dans les récepteurs sensoriels, par exemple la rétine de l'œil, par exemple. Et ça va aller vers le centre. Qui est le lobe occipital, ou ma yusma bel fasl qafawi. Donc, quelles sont ces fibres? Ce sont des fibres sensitives. Si vous me dites, madame, ce sont des fibres centripètes, je suis d'accord aussi. Mais le mot fibre sensitive me suffit. Deuxième question. Deuxième question, mes élèves. Je vous demande, quelle est la structure microscopique qui contient donc un corps cellulaire, un axone et arborisation terminale. Eh bien, ça, tout le monde peut répondre. Ça, c'est la cellule nerveuse, c'est-à-dire le neurone. Vous vous rappelez, je vous avais dit que le corps cellulaire n'était pas la cellule. C'est, si vous voulez, une partie de la cellule nerveuse, même s'il contient un noyau, un cytoplasme, une membrane cytoplasmique. Ce n'est pas une cellule. Mais cette partie qui est le corps cellulaire, avec le grand prolongement qui est l'axone, et avec cette arborisation terminale qui termine le tout, c'est ça le neurone. شنو هي الخلية العصبية هي خلية خاصة كتكون من جسم خلوي ومن محورة ومن تشجر نهائي خصهم يكونوا بثلاثة هذه يمكن نسميها خلية عصبية وتسمى بالعربية عصبون بالفرنسية نورون. Retenez-le en français, mais même en arabe, vous m'avez comprise. D'accord? Troisième question. Quelle est la capacité du muscle de retrouver sa taille initiale après étirement? Quelle est cette capacité? C'est très facile. C'est l'élasticité, parce qu'un muscle est élastique. On sait très bien qu'un muscle, quand il se contracte, il va se contracter, se décontracter. En se contractant, il va donc diminuer, si vous voulez, de distance, c'est-à-dire qu'il va se raccourcir. Et à la décontraction, il va revenir à sa taille initiale. C'est comme un élastique. Donc, c'est la capacité du muscle de retrouver sa taille initiale, s'appelle l'élasticité. Et voilà. Alors, si vous avez répondu à ces trois questions, vous allez avoir un point et demi. Ok? C'est un point et demi. Deuxième question, complétez le tableau suivant. C'est encore un point et demi. D'accord? Alors, je vous donne le sens. L'excitant, le récepteur sensitif, le conducteur sensitif, et on parle que de sensibilité dans ce cas-là, et le centre nerveux responsable de cette sensibilité. Écoutez, vous allez me répondre et vous saurez répondre à ces questions. Parce que si je vous dis que le sens est la vision, tout le monde pourra me dire, madame, l'excitant, c'est la lumière. Quel est le récepteur sensitif de la vision? Là, il faut me mettre la rétine. La rétine. Parce que la rétine est faite et constituée de récepteurs sensoriels qui sont les fameuses cellules à cône et à bâtonnets, qui sont responsables donc de recevoir
L'excitation, d'ailleurs l'influx nerveux sensitif commence à la rétine pour aller vers le nerf optique, qui est le conducteur sensitif, et arriver à la fin, quand je vais dire que j'ai vu, je ne peux voir que lorsque l'influx nerveux sensitif arrive à mon cerveau. D'accord? Et plus précisément, au lobe occipital. Maintenant, je vais dire que j'ai vu. الرؤية تمكنت منها إلا لكان المنبه اللي هي الضوء حيث بلا ضوء ما يمكنناش نشوفه والمستقبل الحسي اللي هو الشبكية أو لا ريتين والموصل الحسي أو الكوندكتور سانزيتيف هو لو نيروبتيك وبالطبع المركز العصبي اللي هو الفصل القفوي وانتم كتعرفوا فين جا الفصل القفوي أو اللوب أوكسيبيتال بيان سور تو سا sur le cortex cérébral, les corps cérébrales seulement, et vous le savez, parce que c'est le cortex cérébral qui est constitué de substances grises, vous le savez, elles-mêmes constituées de quoi? Dites-le, de corps cellulaires. Bravo. Très bien. On va y aller à, toujours, deuxième question. Je vous ai mis donc le corps chaud. Quand je mets corps chaud, ça veut dire que c'est le toucher. Quel est le sens? C'est le toucher. L'excitant, le corps chaud. Quel est le récepteur sensitif, mes élèves? Est-ce que vous vous rappelez des corpuscules de Pacini et Ruffini et le reste? Donc les récepteurs sensoriels sont les corpuscules. Tout se fait, hein, et tout commence aux récepteurs sensitifs, qui sont ces corpuscules-là, et ces corpuscules se trouvent donc au niveau de la peau. Et vous avez compris. Conducteurs sensitifs, ce sont les fibres nerveuses sensitives. Hein? C'est écrit, je vous l'ai mis. Donc vous n'avez qu'à m'être touché. Et bien sûr, le centre nerveux responsable, c'est l'aire du toucher. C'est une aire qui est assez vaste. Vous savez pourquoi c'est vaste comme R et comme, si vous voulez, région du cerveau responsable du toucher? Parce que j'ai de la peau partout, je peux toucher par n'importe quelle partie de mon corps. On a tendance à toucher avec la main plus que d'autres organes. Donc c'est l'air du toucher. C'est bon? Alors, je vous rappelle mes élèves que pour le toucher, l'influx nerveux sensitif va commencer. Donc, au niveau de la peau, mais là c'est le cas particulier. L'influx nerveux sensitif ne va pas directement au cerveau, il passe d'abord par la moelle épinière. Alors revoyez ça quant à vos révisions sur le système nerveux. D'accord? Je continue, mes élèves. Quand je parle, toujours à la deuxième question, quand je vous dis nerf auditif, automatiquement, vous saurez que je parle de l'oreille, de l'ouïe, bien sûr. D'accord? Donc, quand j'entends, quand j'écoute, c'est le nerf auditif. Bien sûr que le nerf auditif, c'est un nerf, donc c'est un conducteur sensitif. Quel est l'organe de sens pour le nerf auditif? C'est l'ouïe. D'accord? Quel est l'excitant? C'est les vibrations sonores, c'est le son, c'est le bruit. Vous êtes d'accord? Quel est le récepteur sensoriel? Eh bien, le récepteur sensoriel, vous pouvez me mettre l'oreille. Mais si vous me mettez les récepteurs sensoriels au niveau de l'oreille, ou les cellules sensorielles dans l'oreille, c'est aussi juste. Et vous, si vous mettez l'oreille, c'est bon. Alors, quel est le centre nerveux? C'est l'air de l'audition. Vous pouvez me mettre l'air de l'audition. Donc, ça se passe, donc, quand je parle du centre nerveux, bien sûr, au niveau de la substance grise. Donc, encore une fois, le cortex cérébral. Mettez-vous dans la tête que c'est toujours le cortex cérébral. Ça fait? Voilà. Alors, maintenant, la troisième question. J'ai choisi, j'ai voulu que ça soit une question sur les groupes sanguins. D'accord? Alors, je vous ai demandé de retrouver
le groupe sanguin correspondant à quoi? Eh bien, aux suggestions que je vous ai données dans le tableau. Sur le tableau, vous avez comme suggestion, les globules rouges possèdent les agglutinogènes A et B. Dites-moi, mes élèves, vous allez répondre à cette question très facilement parce que quand j'ai des agglutinogènes, les deux à la fois, ce n'est que le groupe AB. Parce que le groupe, on va le nommer suivant ses agglutinogènes. نتكلم شويه بالعربيه بغيت نقول الكلام ديالي بلي الفصيله الدمويه A و B ما سميتها AB حيت فيها لي دو AB شنو هما لي دو AB اللي فيها جوج ديال AB اللي هما لي زاغلوتينوجين بون ما نعطيكمش الكلمه كتسمى مولدات المضاد وكنسميوها كذلك مولدات اللكد بلا ما تعقلوا على هذه الكلمه عقلوا لي عافاكم على اغلوتينوجين اي بي صافي دابا كون لي غلوبول روج مينتنون كون لي غلوبول روج نو بوسيد ني لاغلوتينوجين ا ني لاغلوتينوجين بي اي بان فاسيلمون vous pouvez le savoir ce n'est que le groupe O O qui ne contient ni agglutinogène A ni agglutinogène B voilà et quand le plasma contient l'agglutinine anti-B ça veut dire qu'il ne contient pas l'anti-A ça veut dire que le groupe est A le plasma et pourquoi je parle du plasma parce que les agglutinines sont des anticorps ils vont se trouver toujours dans le plasma ok. Et ça, vous le savez, les groupes sanguins. Donc, le plasma contient l'agglutinine anti-B, c'est le groupe A. Quand le plasma en petit 4 de la question petit 3, en petit 4 sur le tableau, parmi les suggestions, le plasma ne contient ni l'agglutinine anti-A, ni l'agglutinine anti-B. Quand il n'y a pas les deux agglutinines, c'est toujours le groupe AB, mes élèves. Vous savez pourquoi? Parce que AB, il va contenir... Le AB, excusez-moi, c'est ça. Le AB, il va contenir les deux agglutinogènes, donc il ne contiendra aucun agglutinine. D'accord? La quatrième question. Je vous demande de compléter un texte. Et le texte est sur trois points quand même. Alors, je vais voir. Non, c'est sur un point, excusez-moi. Ça, c'est un point. Alors, je vous demande de compléter ce texte en utilisant quelques termes, quelques mots. Parmi les mots, vous avez les cellules mastocytes. Ça doit vous rappeler les allergies. Vous avez la crise allergique. Alors, on ne dit pas crise allergique. Excusez-moi, il y a une petite erreur là. Attendez. On ne dit pas crise allergique, on dit crise d'allergie. Ou on dit... Où on dit, pardon, crise allergique. Donc, crise d'allergie ici. Et vous avez le mot lymphocyte B. Et vous avez le mot histamine. Alors, vous avez des pointillés à remplir. Sur cette phrase, je vais la lire. Au premier contact avec l'allergène. Et je vous ai mis des pointillés. Et je vous ai écrit. Fabrique des anticorps du type IgE. Parmi les questions qui reviennent, il y a des élèves qui se posent la question sur IgE. IgE, ce sont des immunoglobulines, ce sont des anticorps. C'est tout. Ce sont des anticorps qui vont être fabriqués par des lymphocytes B. Hein? Et au lieu d'aller se poser ou attaquer l'allergène, ils vont se coller aux mastocytes. Voilà les IgE. Donc, au premier contact, et je vous invite à réviser tout ce qui est allergie, je reprends la phrase. Au premier contact avec l'allergène, les lymphocytes B, bien sûr, donc il faut mettre lymphocytes B, fabriquent des anticorps du type IgE qui se fixent où? Qui se fixent sur les cellules mastocytes. D'accord? Les poussant à produire des vacuoles pleines de quoi? D'histamine. Et au deuxième contact, avec le même allergène, les mastocytes libèrent le contenu des vacuoles, ce qui déclenche, et là il faut écrire, la crise d'allergie. C'est bon? C'est pas difficile.
Hein? C'est bien? Très bien. Vous voulez peut-être que je reprenne cette phrase? Je vais la reprendre. D'accord? On prend notre temps. On n'est pas pressé. Donc, au premier contact avec l'allergène, les lymphocytes B fabriquent des anticorps du type IgE qui se fixent sur les cellules mastocytes, les poussant à produire des vacuoles pleines d'histamine. Et au deuxième contact avec le même allergène, les mastocytes libèrent le contenu des vacuoles, ce qui déclenche la crise d'allergie. C'est bon? Merci. Cinquième question, petit 5. Tout ça, c'est la restitution des connaissances. Et vous voyez que vous êtes en train de... Toutes vos connaissances sont divulguées maintenant, si vous voulez, et vous êtes en train... On ne peut pas dire que vous récitez quelque chose, mais ce que vous avez comme connaissance, là, vous le mettez à nu. C'est pour ça que je parle de restitution de connaissances. Donc, pour compléter le texte suivant, je vous ai donné des mots, encore une fois. Vous avez le mot sida, le mot bactérie, le mot maladie, au pluriel, le mot micro-organisme et le mot système immunitaire. Et la phrase est là. Alors, regardez cette phrase toute simple. Le milieu où on vit est caractérisé par la présence, à votre avis, de quoi? Eh bien, de micro-organismes. Parmi lesquels quoi? Ben, les bactéries. Et vous avez les champignons. Point. Le corps peut garder, mais chez son intégralité, son intégrité, son... Alors, le jism, il m'a le hitaf de l'tamamia dialo. D'accord? Ou ma yitkhloush ajsam ghariba, ou la tkhlat l'ajsam ghariba, kitsdalha, kitsma tamamia. Mais intégralité, c'est intégrité. Donc, le corps peut garder son intégrité grâce à quoi? À qui? À quoi? À son système immunitaire. D'accord? Qui se fait de différentes voies complémentaires. Je parle de l'intégrité ou je parle de l'immunité. Qui se fait de différentes voies complémentaires, mais dans certains cas, on tombe victime de quoi, à votre avis? De maladies. Ils peuvent être graves, ces maladies. Donc, dans certains cas, on tombe victime de maladies graves comme, et vous avez le mot sida parce que je l'ai mis, il est là, le mot sida. Donc, vous mettez sida. La sixième question qui est très facile, hein, c'est donner trois moyens de contamination avec le virus du sida. Donner trois moyens. Comment on est contaminé par le sida? Ben, vous savez très bien que je peux être contaminé par les objets tranchants. Si je me pique avec, je ne sais pas moi, une aiguille d'une personne sidatique, je peux attraper le sida. Donc, un objet tranchant, par les objets tranchants, donc, il y a premier moyen de contamination. Et on peut aussi être contaminé par les rapports sexuels. Et on peut être contaminé, par exemple, par la transfusion sanguine. D'accord? Donc, vous pouvez énumérer ces moyens de contamination que vous connaissez très bien. Donc, j'ai dit rapport sexuel, j'ai dit objet pointu ou tranchant, et j'ai dit encore transfusion sanguine. Et voilà. Alors, j'ai fini avec la restitution des connaissances, mes élèves. Vous avez eu vos 8 points. On va voir si vous allez avoir les 12 autres points. Alors, cette question-là, elle est sur le système nerveux. Déjà, quand on vous pose cette question, vous voyez le schéma, vous voyez le profil, une vue de profil de l'encéphale. Ça, c'est l'encéphale. Tout l'encéphale, ce n'est pas le cerveau. Le cerveau, le cervelet, et aussi, donc, la partie qui constitue l'encéphale. D'accord? Alors, sur le deuxième schéma, comme on vous a marqué R motrice, donc vous devez
savoir. Donc, j'étais en train de parler de l'exercice sur le raisonnement scientifique et je vous ai dit que quand vous voyez donc les deux schémas, il y a un schéma à gauche, le fameux schéma qui élucide donc tout ce qui est air motrice, bulbe rachidien, moelle épinière et muscles. D'accord? Et vous avez les corps cérébrales sous forme de pointillés. Et les différents schémas, je vais parler en arabe. Rossum hadi kulla tiskom jmi' ashkal yani le dimagh li kayem kulla tnzelkom fi l'imtihan. Qult lkom nعطيكم الاشكال باش ما تخلعوش من نشوف الدماغ كيفاش هما يعني رسموه ما تخلعوش من الرسم وكيكونوا هادو رسوم تخطيطيه بالطبع. دونك سو سون دي شيما. دونك فو زافي لو بول براشيديان لا مويل ايبينير مي افون بيان سور il y a l'air motrice sur l'encéphale sur plutôt le cerveau. D'accord, à droite. Quand vous voyez le sillon de Rolando, ça veut dire que c'est une vue de profil. Vous avez une zone de saignement, vous la marquez. Et je vous ai dit tout à l'heure que tout ça, c'est l'encéphale. Ce n'est pas le cerveau, parce que vous avez le cerveau qui est fait de deux, donc lobes, hein, avec tout ce qui est circonvolution cérébrale et tout ça. Vous avez donc le cervelet dont on ne parlera pas. Ça ne nous intéresse pas le cervelet pour le moment. Cette année, on n'en parle pas. Mais vous avez le bulbe rachidien, qui est une partie de la moelle épinière, parce qu'on sait que la moelle épinière est une continuité donc, du bulbe et du cerveau. D'accord? Et que de cette moelle épinière vont donc bifurquer tous les nerfs rachidiens. À savoir qu'il y a des nerfs aussi crâniens, comme le nerf optique. Ça, c'est entre autres. D'accord? Je vous le rappelle. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je jette un coup d'œil sur mes schémas, je comprends que c'est le cerveau et c'est une activité donc nerveuse. Alors la question est, suite à sa chute d'un point très haut, un individu est atteint d'une paralysie. Alors on vous parle d'une paralysie d'un pied. Pendant la consultation, donc chez le médecin va remarquer que sa jambe se projette vers l'avant quand il frappe sur le tendon rotulien avec son marteau en bois. Alors écoutez mes élèves, tellement intelligents que vous êtes, tel que je vous connais, vous avez bien compris. Parce que quand je tape sur la rotule et que le pied se lève, se relève, se tend ou se projette vers l'avant, c'est un réflexe. Donc cette personne n'a pas perdu sa moelle épinière. Elle n'a pas eu d'atteinte de la moelle épinière parce qu'elle a son réflexe. Par contre, si cette personne qui est tombée d'un point très haut est atteinte d'une paralysie, ça veut dire que quelque chose s'est produit par rapport à son cerveau. Et vous l'avez compris. Parce qu'on a tellement expliqué les interagissements avec le milieu extérieur par la motricité volontaire et par la sensibilité consciente. On en a tellement parlé que vous avez très bien compris mes élèves et je vous fais confiance. Alors on vous demande une petite question très facile. Qu'appelle-t-on la réaction de la jambe? Je viens de le dire, c'est un réflexe. C'est un mouvement involontaire. D'accord? Et on l'appelle réflexe rotulien. Voilà. Deuxième question. On vous demande d'émettre une hypothèse. Une hypothèse, ça veut dire que ce n'est pas très sûr. Mais vous pouvez l'émettre. Comment vous allez me répondre si je vous dis, donnez-moi une hypothèse pour expliquer l'état de la jambe de cet individu. Dites-moi, à votre avis. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse? C'est un avis qu'on va donner qui n'est pas sûr et dont on va être sûr quand on aura fait, hein, je ne sais pas moi, pas des expériences, peut-être des investigations, des radios, une IRM. D'accord.
tout ce qui est donc exploration fonctionnelle. Alors, si je vous demande d'émettre une hypothèse pour expliquer l'état de la jambe de l'individu, eh bien, tout le monde pourra me dire, Madame, cet individu, il a perdu toute capacité de mouvement de sa jambe, notamment. Donc, il n'a plus de motricité volontaire, Madame. Donc, il n'y a plus d'influx nerveux moteur, cette fois-ci, qui va vers le cerveau. Excusez-moi, d'influx nerveux moteur qui va se déclencher et naître au niveau du cerveau pour arriver où? Arriver au muscle effecteur. Madame, cette personne n'a plus cet influx nerveux moteur permettant le mouvement de la jambe. Elle n'a plus cet influx nerveux, Madame, centripète, qui va aller vers les muscles pour qu'ils puissent bouger ces muscles. D'accord? Donc ça, c'est une hypothèse. Alors, quelle est l'hypothèse? Eh bien, Madame, puisqu'il ne pourra plus bouger, peut-être que son cerveau est atteint. Un grand nombre d'entre vous pourront me dire, de toute façon, nous on sait que la moelle épinière n'est pas atteinte. Donc, il ne reste que le cerveau. D'accord? Ça, c'est une hypothèse. Maintenant, on va prouver que cette hypothèse est peut-être vraie. Bon, on va essayer. Et ça, c'est la troisième question. On vous dit que le scanner cérébral confirme que le patient souffre d'une hémorragie cérébrale. Qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie? Hein? Ce sont des vaisseaux sanguins qui vont éclater, tout simplement, au niveau du cerveau. Ça s'appelle un hématome aussi. Quand on tombe, on peut avoir un hématome, c'est-à-dire du sang qui va donc se mettre dans des vaisseaux sanguins, qui va s'accumuler dans des vaisseaux. Les vaisseaux peuvent rompre, peuvent donc éclater, et ça donne une hémorragie. On peut même parler d'hémorragie interne. D'accord? Que concluez-vous de cette observation quand je parle de scanner? Que concluez-vous, pardon, de cette observation? Eh bien, je peux conclure que l'individu, cette personne-là, il a une hémorragie au niveau de l'air motrice. Donc, il ne peut plus avoir de mouvement parce que les influx nerveux moteurs ne peuvent plus naître dans cette zone-là. C'est pour ça qu'il n'a la paralysie qu'une partie du corps. Alors, la partie du corps, vous l'avez bien vu, ils ont dit que c'était une paralysie du pied. Donc, je reprends. On peut dire donc qu'il y a une hémorragie au niveau de l'air motrice. Donc, il n'y a plus de mouvements volontaires, hein, qui vont naître à cette zone-là. Alors que, bien sûr, ça c'est... On l'a bien compris, alors que les réflexes sont là parce que la moelle épinière n'a pas été atteinte. Et voilà, on a donc bien répondu à la question. Et donc l'hypothèse n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a un saignement. D'ailleurs, on vous a écrit zone de saignement et donc une hémorragie. C'est bon? Ça, c'était la troisième question, mes élèves. Et la quatrième question la plus facile, compléter le schéma du document en ajoutant le trajet de l'influx nerveux chez une personne saine d'abord. Non, on ne vous parle que de personnes saines. D'accord? Donc, le trajet de l'influx nerveux. Tous mes élèves savent qu'un influx nerveux moteur va naître au niveau de l'aire motrice, au niveau du cortex cérébral, au niveau du cerveau. Et ça commence toujours. Regardez. Du sillon de Rolando vers l'avant. J'adore ça. Suyal al-Harakia. Katibda daiman manchaq Rolando l'amam. Manchaq Rolando l'amam. Le fasl jabahi. Le lobe frontal. De la scissure de Rolando. Ou du sillon de Rolando, pardon. Nisbatan ilam sur Rolando. La dikta shafa da shaq. Donc, du sillon de Rolando ou la scissure de Rolando vers l'avant, eh bien, l'influx nerveux va naître. Donc, du sillon de Rolando vers l'avant, toujours.
Alors, cet influx nerveux moteur qui va naître ici va bien sûr prendre un trajet, hein, donc qui est centrifuge, donc qui va passer, il ne peut passer que par ce trajet-là, par donc tout ce qui est bulbe rachidien, moelle épinière, le nerf, d'accord? Et ça va arriver vers le muscle, qui est le muscle effecteur. En arabe, donc, fi bahat al-haraka, min chaque Orlando il est le MM, ou katnzl suyel ou katstage, le basala si ça y a, ou kadalik le nukha shawki, li tachrouj abra al-asab, il est l'adala, hein? والعضلة هي المستجيب الحركي صافي voilà vous avez 3 points sur cette question c'est la question de l'exercice donc 1 concernant le raisonnement scientifique mes élèves d'accord alors ensuite on va aller à une grande question enfin grande question une question classique. Cette fois-ci, ça concerne l'exercice 2. Et ça concerne déjà, si on vous donne cet exercice, vous allez bien regarder, vous allez voir les phagocytes, vous allez dire, madame, c'est la phagocytose. Vous allez voir qu'il y a des phagocytes, qu'il y a un gonflement, qu'il y a une diapédèse, qu'il y a une plaie, c'est l'inflammation. Pour les... je ne parle pas de meilleurs d'entre vous, vous êtes tous les meilleurs, hein? Pour la plupart d'entre vous, dès que vous allez regarder et voir ce schéma-là, vous allez donc sous-entendre, vous allez comprendre, vous allez être sûr que c'est l'inflammation. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit à la question 2? Cette question, cette fameuse question, de 2 points d'ailleurs. On vous dit, Ahmed jouait dans la rue avec les voisins. Il s'est blessé au genou. Au genou, c'est ça. Il n'a donné aucune importance à sa blessure. Tout ça, c'est pour vous parler. Quand on vous dit il n'a donné aucune importance à sa blessure, ça veut dire qu'il n'a pas désinfecté, il n'a pas utilisé d'antiseptique. Il a laissé la blessure. Donc, automatiquement, ça va s'infecter. Mais avant l'infection, ça va être l'inflammation. C'est ce qu'on vous sous-entend. Quand on dit il n'a donné aucune importance à sa blessure. Quelques jours plus tard, la plaie gonfle, le pus se forme et le schéma ci-contre présente l'inflammation locale de la blessure. Et on vous parle d'inflammation. Alors, je vous dis que le mot arabe est un peu. Il y a le temps. Je vous dis que Mohamed a joué dans le rue. Il a eu un rouge sur le niveau de la rukba. Il n'a pas eu un attention. Il n'a pas eu le jour, bien sûr. بعد بضعة أيام الجرح سينتفخ القيح سيتكون والرسم يبين لنا ما يسمى بالالتهاب الالتهاب اللي هو التهاب محلي l'inflammation locale alors la première question comment expliquez-vous le gonflement de la plaie vous l'avez sur votre cours j'ai bien expliqué l'inflammation mes élèves Comment vous pouvez expliquer ce gonflement? Bien sûr, c'est dû à l'inflammation. C'est dû à l'inflammation, mais c'est dû surtout à la sortie du plasma et des globules blancs. Quand ils sortent, ils vont s'accumuler là où ils doivent sortir par diapédèse. Ils vont former un gonflement. Et voilà, et vous l'avez sur votre corps. Quelle est la cause du gonflement? C'est la sortie du plasma. C'est l'inflammation. Hein? Et la sortie du plasma et des globules blancs. Ok? Pourquoi ils sortent? De toute façon, ils sortent pour aller vers les microbes, pour les attaquer par phagocytose. Et l'inflammation, vous savez bien, mes élèves, que c'est tout ce qui est immunité naturelle ou innée qui va se diriger vers donc tout type de microbes pour l'éradiquer par phagocytose. Mais là n'est pas la question. La question, on vous dit,
Montrez pourquoi la phagocytose est dite non spécifique. Je viens d'y répondre. Car la phagocytose va s'attaquer à tous les types de microbes. Tous les types. Elle est non spécifique. Ça fait. Donc, علاش البلعامة غير نوعية؟ لأنها تتصدى إلى جميع أنواع الجراثيم. Bravo mes élèves. Petit 3. Cette propriété des phagocytes se fait en plusieurs étapes. Au fait, on vous demande de mettre toutes les étapes de la phagocytose. سؤال ديالكم اللي كنت جاوبت عليه دايور هذا السؤال sur les étapes de la phagocytose. Bah les étapes de la phagocytose c'est pas difficile. On a parlé de l'attraction et l'accolement, hein? Du polynucléaire. Donc vers la bactérie ou là sur la bactérie vous avez compris qu'il y a un rapprochement entre le polynucléaire et la bactérie ou un autre micro-organisme pathogène. D'accord? Donc, vous avez l'attraction qui s'appelle l'adhésion. Vous avez la deuxième étape, la formation de pseudopodes qui entourent la bactérie. Troisième étape, l'ingestion ou la formation d'une vacuole qui va emprisonner la bactérie. Et vous avez la dernière étape, la digestion de la bactérie et le rejet des restes, de ce qui reste. C'est bon? Vous avez ces étapes, s'il vous plaît, sur votre feuille. Hein? Alors, on a 4 ديال المراحل. كنسميوها المرحلة الأولى هو انجذاب داك الكريات اللي هما مفصصة النواة نحو البكتيريا. عندي مرحلة تكون أرجل كاذبة أو بسودوبود. وعندي مرحلة تكون الفجوة أو ما يسمى بلافاكيول التي تحبس إذن البكتيريا. ومرحلة الأخيرة اللي هي الهضم ديال البكتيريا والإلقاء بالحطام أو لغجي دي غست. Voilà. C'est bon? Très bien. L'exercice numéro 4, mes élèves. Ça, cet exercice, je l'ai voulu moi parce que c'est un exercice qui me montre tout ce qui est interaction entre toxines. Hein? Qu'est-ce que c'est que la toxine traitée? Hein? Et vous avez posé la question, madame, qu'est-ce que c'est que la toxine traitée? Mais c'est tout simplement l'anatoxine. C'est une toxine atténuée. D'accord? Donc, tout ce qui est toxine et tout ce qui est... Alors, aussi, il y a la notion un petit peu de sérum et de tout ce qui est immunité humorale. Parce que quand je parle d'anticorps, je parle de sérum et je parle d'une immunité humorale, à médiation humorale. Alors regardez cet exercice qui n'est pas facile, mais qui n'est pas difficile non plus si vous avez bien compris. Que dit l'exercice, mes élèves? Que dit l'exercice? On va lire ensemble l'exercice. On va le lire ensemble. Regardez. Pour comprendre les phénomènes de l'immunité, on propose deux séries d'expériences. Vous avez la série 1, on commence par la série 1, on laisse la série 2 après. La série 1 dit que l'expérience numéro 1, les conditions expérimentales de cette expérience, c'est qu'on va prendre une toxine tétanique, on va lui mettre du formol à 40 degrés pendant un mois. Ça veut dire que je vais atténuer la toxine. Je vais l'atténuer. Donc, je vais prendre une toxine tétanique. On vous parle du tétanos. On va traiter la toxine. On va la traiter. Vous savez ce que c'est qu'une toxine? C'est une substance sécrétée par des bactéries. Donc, le tétanos, ce qui agit, c'est la toxine. Quand il rentre dans votre corps, il va vous attaquer par la toxine. On avait dit que c'est plus dangereux que le poison d'une vipère ou là d'un serpent. Ok? Deuxièmement, toujours l'exercice 3 sur 4 points, cet exercice-là. En petit 2, on va injecter à une souris. D'accord?
On va injecter à une souris une toxine traitée. Et après 15 jours, on va lui injecter une toxine tétanique. Quand je parle de toxine traitée, maître l'ush, rahia l'anatoxine. Il y a celle qui joue le rôle de vaccin. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de tétanos. Parce qu'on lui a donné la toxine traitée. C'est comme si on l'avait vaccinée. Quand on lui a injecté la toxine, la vraie, elle n'est pas morte, la souris. Troisième expérience. Quand j'injecte à S2 le sérum de cette souris qui a été, donc, à laquelle on a injecté la toxine traitée, c'est-à-dire on lui a injecté comme un vaccin, si vous voulez. On a immunisé son corps. Quand je prends le sérum de cette souris, que je l'injecte à une autre, et que cette même souris à laquelle j'ai injecté le sérum de l'autre, on va lui injecter cette fois-ci de la vraie toxine qui est tétanique, on remarque que la souris reste vivante. Ça, c'est le principe de sérothérapie. و تنعطيه الحيوان آخر كأنني أنقل مضادات الأجسام أو لي زانتيكور من حيوان لحيوان. ملي كنجي عند داك الحيوان اللي عطيتو لي زانتيكور وكنعطيه لا توكسين ما كيموت شي، علاش غيموت؟ هو عنده لي زانتيكور عطيتهم له أنا فين في السيروم صافي. La première question me dit, enfin on me pose cette question comme ça, qu'est-ce qu'on veut dire par une toxine traitée? Je viens de le dire. C'est une toxine atténuée ou anatoxine. Petit 2, expliquer les résultats des deux expériences. Comment je peux l'expliquer? Ce que je viens de dire. Alors, expliquer les résultats des deux expériences 2 et 3. Pourquoi quand j'injecte à la souris S1 une toxine traitée et après je lui injecte de la vraie toxine et ne meurt pas? Parce que son corps a atteint une immunisation. Elle a été immunisée par la toxine traitée. Comment j'explique que l'injection du sérum, après j'injecte la toxine, la souris ne meurt pas? Parce que je fais un transfert d'immunité, c'est-à-dire un transfert d'anticorps d'une souris à une autre. Donc la souris va être immunisée et elle va rester vivante. J'ai bien répondu à cette question? Je crois que oui. À la troisième question, on vous demande de déduire le type de voie immunitaire dans ce cas. Là, je vous avais déjà briefé, je vous avais dit que dès que vous voyez qu'il y a une histoire d'anticorps, une histoire de sérum, c'est la voie humorale. Donc ici, c'est la voie humorale. Pourquoi la voie humorale? Parce qu'il y a des anticorps dans les humeurs, dans les liquides du corps, dans le sérum. Je n'ai fait qu'un transfert de ces anticorps d'une souris à une autre. Donc c'est la voie humorale. Ou l'immunité à médiation humorale. D'accord? Et on parle d'immunité humorale en général. Donc, parce que j'ai injecté le sérum d'une souris déjà immunisée, cette dernière reste vivante. Et c'est le principe aussi de la sérothérapie, si vous voulez. Mais c'est la voie humorale. C'est bon? Très bien. Maintenant, je passe à la série 2 d'exercices. Et je parle de tuberculose. Si vous avez remarqué, je vous avais dit que dès que vous entendez le mot tuberculose et BECA, c'est-à-dire le bacille de Koch, vous allez donc vous mettre dans la tête que c'est la voie cellulaire. Hetzdemen tétanos, c'est la voie humorale et la tuberculose, c'est la voie cellulaire. Akol maratan okhra. Fin men sma tétanos, n'arf billi ما يسمى بالمناعة الخلطية. داكوغ؟ خلطية هي أومورال. المناعة الخلطية أو أومورال. الخلط هو سوائل الجسم. داكوغ؟ المسلك الخلطي كيتسمى كذلك. فين ما نسمع داء السل أو لا تيبركلوز نعرفها لا فوا سيلولار أو ما يسمى بالمسلك الخلوي. كيفاش كيبان لي هذا المسلك الخلوي؟ كومون؟ أون بو سافواغ. Parce qu'on sait que la tuberculose est une maladie dangereuse provoquée par le bacille de Koch. Et pour l'éviter, pour ne pas avoir cette maladie, la prévention,
c'est se faire vacciner par le bacille de Calmette-Guérin qui est le BCG. Qu'est-ce que c'est que le BCG? C'est une bactérie atténuée. Cette fois-ci, ce n'est pas la toxine qui est atténuée, c'est la bactérie elle-même. Mais elle va être inoffensive, vous savez pourquoi? Parce que c'est un vaccin. On ne va pas vous mettre un vaccin qui va vous donc inoculer la maladie. Les expériences et les conditions expérimentales concernant la tuberculose sont les suivantes. L'expérience numéro 1 dit qu'on va injecter à une souris S1 le BK. Alors vous savez que le résultat c'est la mort parce que la souris va être atteinte donc et malade de la tuberculose. C'est un résultat normal on va dire. L'expérience 2, quand j'injecte à S2 du BCG et après du BK. Alors, vous savez déjà que le résultat, c'est que la souris va rester vivante parce que je l'ai vaccinée avec le BCG. Je l'ai immunisée contre le BK avec le BCG. Donc, la souris reste vivante. Je dois dire que quand j'injecte une troisième souris avec les lymphocytes cette fois-ci, qui sont des lymphocytes T, que j'ai pris de la souris qui a été immunisée. Et ça dit que la souris, je parle en arabe, quand ou quand عطيهم الفأر آخر وهذوك ال تي راه خديتهم من الفأر الممنع ملي كان ناخذ ال تي من الفأر الممنع كأنني منعته الفأر الآخر في الوقت اللي كان عطيه البيكا ما كيموت شيء ça c'est la voie cellulaire. Alors je vais reprendre un petit peu en français. Quand j'injecte à une souris des LT que j'ai pris d'une souris que j'ai immunisée avec le BCG, c'est-à-dire que j'ai vacciné, à cette souris, si j'injecte le BK, elle ne va pas mourir. La question dit, comment vous expliquez la mort de S1? Ah ben ça c'est facile. S1, la souris, la première souris est morte parce qu'elle n'est pas immunisée, je lui ai donc injecté le BK, elle va en mourir. Elle est morte donc parce qu'on ne lui a pas injecté le BCG. Deuxième question, pourquoi S2 n'est pas morte? Eh bien, vous savez pourquoi S2 n'est pas morte? Parce qu'elle a été immunisée par le BCG. Donc, son corps va se mettre à fabriquer les lymphocytes. D'accord? Il va acquérir l'immunité contre cette bactérie parce qu'on lui a injecté le BCG. Vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. C'est ça. Voilà. Alors, la question 3. Conclure à partir de l'expérience 3 la voie immunitaire utilisée dans ce cas. Eh bien, vous savez que c'est la voie cellulaire, l'immunité utilisée dans ce cas, ou la voie, c'est la voie cellulaire, parce que on a pris les LT, ce sont des cellules, et ce sont des cellules tueuses. Je peux même dire les T8. Ou la TC, si je veux. Donc, elle va se mettre, la fameuse souris, à fabriquer les cellules tueuses qui vont donc éradiquer, tuer même les BK, et pas les BK, les cellules infectées par le BK. Et c'est la voie cellulaire, mes élèves. Ok. Et je passe à l'exercice 4. Alors l'exercice 4 me parle du choléra. D'accord. Le choléra, on sait tous, je vous mets au courant quand même, mais nous on le sait parce que le Maroc a été atteint par le choléra. Quand j'étais enfant, je ne me rappelle plus combien d'années. Il y a longtemps, donc il y avait le choléra au Maroc. Hein. Et on sait que le choléra est une maladie dangereuse parce que la bactérie pathogène est très virulente. Et on vous dit, par rapport à cet exercice, que pour mieux comprendre comment notre corps réagit envers cette bactérie,
On va proposer des expériences qui ont je parlais mes élèves donc de l'exercice 4 et je parlais du choléra. Hein. J'avais dit que le choléra est une maladie dangereuse due à une bactérie. Donc, pour mieux comprendre comment notre corps réagit envers cette bactérie, on vous propose une série d'expériences qui ont été réalisées sur des loups de poules cette fois-ci. Ben, on peut faire des expériences sur des poules aussi, hein, sur des cobayes, sur des poules, sur des lapins, sur des souris. Là, c'est des poules. Alors, on vous parle du lot 1, on vous dit que quand on injecte la bactérie du choléra, le lot, A, de poule A, va mourir. Résultat normal. Pour le lot B, quand on injecte un filtre à frais, vous savez, quand je parle de filtre à frais, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre l'autre jour, c'est un filtre A qui est, on va dire, mortel. C'est un filtre à fort. C'est un filtre à frais. Donc, je prends un filtre à frais. Ça veut dire que je vais prendre quelque chose, une substance. Hein? Je vais donc faire éclater les bactéries du choléra. Et je ne prends que le filtre A. Là, on sous-entend, si vous voulez, on sous-entend que c'est une substance qui est genre toxine. C'est la toxine. Puisque je ne parle que de filtre. Mais quand on parle de la rouchaha, de la zara, tari, quand on parle de la chdis en al bakteriyat, ou s'khrj minhom, le madda samma liya summin, liya la toxine. Iden ana, mni kan haqan, l'haywanat, بهاد الفلتر اللي هو الرشاحه رانا كنحقنهم بداك السمين داك الماده السامه الا حقنتهم بالماده السامه غادي يموتوا داكور دونك الدجاج سيموت دونك لو لوبي كون جينجكت ان فيلتر افري دو ميليو دو كولتور دو كوليرا il y a la mort des poules résultat normal aussi on va faire pour le lot c. Là, je vais injecter un ancien filtre du milieu de culture. Ça veut dire que le filtre, il est faible. Il est comme atténué. Mni kanhqan hein, mjmoua C brouchahat zar' li huwa wahin hein, qui n'est pas très fort. Et voilà, le smitou dajaj ghaybqa hayy. Idan, je reprends français. Quand j'injecte un ancien filtre aux poules, ils ne vont pas en mourir. Voilà. Résultat normal. Le lot D. Je vais injecter le sérum maintenant. Je vais injecter le sérum de poules du lot C qui ont été immunisées par le filtre, par l'ancien filtre. C'est comme si... au vaccin. Quand j'injecte le sérum, les poules C, ils ont une injection de quoi? D'un ancien filtre. Donc, c'est comme si j'ai injecté de la toxine atténuée. Eh bien, ce lot C a été immunisé. Je vais prendre le sérum de ce lot C, de poules du lot C. Je prends le sérum, je l'injecte hein, au lot D. Eh bien, les poules resteront vivantes. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai transféré l'immunité du lot C au lot D. قمت إذن بنقل المناعة من عند الدجاج اللي خدا داك لا توكسين اتينوي أو لا لانسيان فيلترا أو لا الزرع وسط زرع وهين وعطيته لو دي منين عطيته له؟ عطيتهم لزانتيكور تو سامبلومون عطيتهم مضادات الأجسام داكور إي لي بول ريست فيفونت. Alors, si j'injecte le sérum d'épaule du lot C et le lendemain, j'injecte le filtre à frais, les poules restent vivantes dans le lot D.
D'accord. Et je pars du lendemain. Je pars du lendemain. D'accord. Oui. Je parle de lendemain. Ça veut dire que c'est une immunité qui est transférée très vite et qui agit très vite. Par contre, si je prends un ancien filtre que je mets au lot D, au lot E, pardon, pardon, le lot E, 15 jours plus tard, il faut que j'attende. Pourquoi j'attends? J'attends que mes fameuses poules du lot E fabriquent les anticorps. Donc, s'ils fabriquent leurs anticorps, les poules restent vivantes. D'accord? Ça, c'est toute la stratégie, hein, du corps, de l'organisme, à être immunisé, à fabriquer des anticorps. C'est toute la stratégie immunitaire, humorale, mes élèves. Alors, on vous dit qu'à partir des expériences A et B, déduire la façon dont agit la bactérie du colère. A et B, comment elle agit, la bactérie? Eh bien, elle va attaquer les poules. Elle va attaquer le système immunitaire. Et plutôt, le système immunitaire ne peut pas attaquer la toxine mortelle du bacille du choléra. Voilà. Donc, à partir de ces expériences, quand la bactérie du choléra est là, elle va attaquer donc l'organisme. Et bien sûr, leur organisme n'est pas capable de combattre ces microbes parce qu'il y a de la toxine. Et parce que ces poules, je parle toujours de la question petit 1, ces poules-là, elles n'ont jamais acquis l'immunité contre cette bactérie parce qu'elles ne se sont jamais exposées à cette dernière. Vous avez compris? Ça, c'est la question 1. Excusez-moi. Ça, c'est la question 1. Donc, on peut dire que les bactéries vont sécréter une substance toxique qui va tuer donc ces poules-là parce qu'ils n'ont pas acquis l'immunité, n'ont pas été immunisés contre la bactérie du choléra. Ça fait? La question numéro 2. Comment expliquez-vous que les poules du lot D sont restées vivantes? Malgré qu'elles aient eu une injection fraîche. Je parle du lot D. Eh bien, l'explication est simple. Ces poules-là sont toujours vivantes. Hein? Car, et vous le voyez très bien, ces poules-là sont encore vivantes parce qu'ils ont été immunisés contre le choléra grâce à l'injection du sérum. Ce sérum qui contient des anticorps dirigés contre le choléra. C'est la séro. Thérapie. C'est bon? Ça, c'est la deuxième question, mes élèves. C'est ça. Très bien, très bien. Alors, à la troisième question qui est très facile, quelle est la voie immunitaire utilisée par le corps pour éliminer la bactérie du choléra? Quelle est la voie? Vous pouvez me le dire? Dites-le. Ben, c'est la voie humorale. C'est la voie humorale. D'accord? Parce que ça s'est fait par l'intermédiaire du sérum. Des poules déjà immunisées qui contiennent donc les anticorps, qui contiennent les anticorps. Ça fait très bien, mes élèves. La quatrième question qui va un petit peu couronner le tout, ça parle des méthodes de renforcement du système immunitaire. Parce que quand je vous dis comparer les deux moyens d'aide utilisés, ça veut dire les deux méthodes de renforcement. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthode de renforcement ici du système immunitaire, mes élèves? Ben, on a utilisé pour le groupe D. Vous le savez bien, dans ce groupe, qu'est-ce qu'on a utilisé? Un moyen de renforcement immunitaire très important qui est la sérothérapie. Vous n'avez qu'à m'écrire la sérothérapie. Hein? Bien sûr que c'est spécifique et c'est dirigé contre un type de microbe. Ici, c'est le choléra. Mais cette immunité, vous savez qu'elle est plus peu durable. D'accord? C'est une immunité aussi passive parce que je ne pousse pas le corps à fabriquer les anticorps, mais je lui donne les anticorps. C'est une thérapie qui va se faire donc. C'est une thérapie, ça veut dire aussi la menoisa et l'ilaj, c'est-à-dire la thérapie. Donc, elle est passive. Elle se fait après infection supposée, bien sûr. Elle est immédiate. C'est la sérothérapie pour le groupe D.
Pour le groupe E, vous savez bien que dans ce groupe, on a utilisé la vaccination qui est une prévention qui est durable, spécifique. Elle se fait de façon active. D'accord? Elle est bien sûr plus bénéfique par les rappels. D'accord? Parce que les rappels vont augmenter petit à petit les anticorps contre la bactérie du choléra. Elle doit se faire avant la contamination parce que c'est une prévention. Je reprends pour le groupe E, la vaccination durable. D'accord? On a besoin de rappels. Elle est lente. Il faut attendre 15 jours. C'est une immunité active, pardon, qui pousse le corps donc à produire avant l'infection, hein, dans ce cas-là, les anticorps. Elle va le pousser à fabriquer les anticorps. Voilà, mes élèves, j'ai continué, enfin j'ai fini avec vous, tout ce qui est exercice qui englobe, encore une fois, une partie du système nerveux, mes élèves. Hein, c'est assez costaud. Sur l'immunité, vous avez les défenses immunitaires. Donc, une partie sur l'immunité naturelle et la grande partie sur l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. Alors, merci de votre attention, mes élèves, encore une fois. Merci de votre patience. Je vous souhaite bonne chance. Je tiens à vous dire que je vais vous accompagner jusqu'à la fin et que la prochaine fois, je vais choisir un thème parmi les questions que vous m'avez posées sur Zoom et je vais approfondir donc ce thème-là, c'est-à-dire reprendre avec vous quelques explications sur des choses que vous n'avez pas bien saisies. Donc, je vous remercie infiniment et à très bientôt, pardon, à très bientôt et au revoir.